réponse. Le Cyrano approche de Don Quichotisme. Que lui font ses amis? Mais que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Comme Eliar obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, d'être un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De même flatter la chèvre au cou, cependant que, de l'autre, on arrose le chou, et, d'honneur de séner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir, toujours. Dans quelques barbes. Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux par rame, et dans ses voiles des soupirs de vieille dame. Non, merci. J'ai le bon éditeur de Circe, faire éditer ses vers en payant. Non, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans des cabarets tiennent des imbéciles. Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres. Non, merci. De découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois, dans les petits papiers du Mercure François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais, chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, prun oui, prun non, se battre, ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage que l'on pense dans la lune, écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être. Mais tout seul.